semaine dernière, nous une cause le miracle connect. Comment nous connecter avec ben, nos nous miracle Jésus, moi, ça même texte, un, un texte tellement riche qu'on a beaucoup de révélations là-dedans. Nous Une cause là, la gratitude et comment aussi en a dix lépreux qui fin guéri. La Bible donne nous un self fin retourne vers le Seigneur et ça kick là et le Seigneur dit, ok, patina. Jis, qui finit de guérir, de sa là, été. Il a va, ta foi, ta, 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 ta Alors, pour vous dire qui, le Seigneur, il appréciait la gratitude, reconnaissance, Jésus dit d'une cause d'eau là. Mais bien sûr, il blesse sur les ont quand l'ingratitude. moi, tu prends l'exemple aussi, je dit de nous-mêmes, ou faire des affaires pour une personne. Bien sûr, nous connaissons Dieu qui récompense nous. Mais à la rigueur, nous attendons de merci, n'est-ce pas? Alors, nous regardons, sa texte. Ça, ce matin, nous cause de fear of the Lord is a deposit for continuous dividend. Pourquoi bon, quand on investit, nous mettons un casse de fixe de la banque, qui nous attend? Nous attend, l'intérêt. logique, ça, on investit dans, dans, dans une compagnie, ou dans une chaise, ou dans stock exchange, whatever, nous besoin d'un retour. Mais, extraordinaire, nous voyons un petit peu comment la crainte de Dieu, nous étudions la crainte de Dieu, il y a un dépôt pour gagner un continue. Amen. Pas une fois par an, hein? Vous connaissez bon Dieu payer, pas payer une fois par an, lui. Bon Dieu, lui paye continuellement. C'est parole dire le bonheur, la grâce accompagne nous tous les jours. Chaque jour, sur l'amour, lui renouvelle chaque matin. Et nous, bon Dieu, il y a un bon Dieu qui bénit nous tous les jours. Deux rois, chapitre 4, verset 1 à 6, nous à ce texte-là. Et trois petites choses qu'il nous peut dire dans l'Église en ce moment et tous ceux qui sont dans le business moi demande de priez c'est ça la volonté de Dieu qu'ils aient progresser continuent à de l'avant mais je nous connaît pas une égoïste ou ça et bon dieu tous les deux bon dieu non pour nous l'aimer comme David à faire ça ben bénédiction nous capable aussi de servir pour qu'il y avait un blessing pour le royaume de Dieu bande pauvre et bande personne est une bénédiction. Deuxièmement, il y a une personne qui peine à le business, beaucoup de gens venir vers moi, très très content. qui disent, moi, euh, longtemps de ce là tu dans business dans lequel tu as envie de faire quelque chose, mais gloire à Dieu quand on dit ça, et nous ne pouvons qu commencer quelque chose. Amen. Et dans un verset, je vous rappelle, beaucoup fois Satan pour faire nous concentrer de ce qui nous peine. Non alors et voilà et sinon très important c'est qu'il nous en a dans la maison nous en a beaucoup qui choses vrai pas vrai il y a une personne qui dit, « Moi, quand on presse ça, message en me lisait nous vient mon pas sûr que dans mon garage mais on a tellement de stock de marchandises mais moi, moi je pas réalisé cela vrai pas vrai alors et une fin de cause voilà et bien sûr, troisièmement, nous le dit une personne qui peut être une finette appelée pour être un employé Gloire à Dieu, pas un problème, c'est un blessing, mais être top là-dedans, être the best, et attendre, toujours avec le Seigneur de gloire en gloire, et qui de progrès en progrès. D'accord? Allez-y, de moi ensemble si nous sommes capables de lire. Allez, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. « Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en enfin faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Allez-y, que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. » Arrête-le encore, je on rappelle. C'est une mauvaise affaire. Beaucoup de fois, quand on en a Bishop, tout correct, évangélisation, oui, tout, tout dans l'autre. » Mais ça peine moi aussi. Toujours, moi, j'ai d'un avion, ou pas qu'à dire, et puis le tarot d'avion, j'ai mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers passagers, bienvenue à bord. Tout est correct, mais sur une glace pas morsée. Nous, qu'à faire ça, c'est qu que nous l'organisons, d'observer. Tout correct, mais. Tout correct d'avion, mais mais porte pas fermée. Mais nous, pouvons décoller quand même. Vous êtes avec moi là, non? Alors, veillez bien, je vois, c'est le diable, ça. Et, ne se nous focusse, là, ce qui nous est là. Le diable toujours peut nous, nous un Non, mais nous, en quelque chose dans nos mains. Mais avec moi, là, allez-y, verset 3. Alors, et il dit, à continuer, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta et elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Verset 7. Je dis, nous nous cause là, la gratitude, gratefulness pour « Release the supernatural ». Et nous, bien sûr, cause, on s'avère, c'est là. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Quand miracle finit d'arriver, les peines disparaissent. » Moi, dit parfois, moi, j'ai un très, très peur, parce que quand tête, Dieu fait certaines sont dans la vie de certaines personnes, après, on disparaît, je dis, « Seigneur, est-ce qu'il finit l'enlèvement et nous, nous, les nous nous restons la » Amen, non mais pas disparaître quand Dieu fait quelque chose, retourne vers le Seigneur, pareil comment ça, haine les prudents dix qui finit. retourne vers Jésus pour donner la gloire, pour remercier lui et bien sûr reconnaissant par la bouche, faire aussi ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous capable de faire, vous êtes avec moi là? Amen. C'est ça la reconnaissance. Mon quand il y a un normal, humain, ça m'a éduqué. Nous partons en nous retour. Mais si ça nous donne besoin, si on est capable de retourner, quand nous a retourné sa balle là, extraordinaire, n'est-ce pas? Alors mon cœur, il de deux côtés. Et va vendre l'huile, pétadette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et nous, nous donnons une révélation là-dedans, moi, mon croix. C'est merveilleux, comment Dieu est capable, si une personne, de, en dette, hein, les dans dette, pour une une business woman, pas de ça en bon Dieu, fait toujours les faire au-delà. Maintenant, ils devient debt free, ils financial freedom, et ça, il paraît, comment dire, nous avons un early retirement plan. Nous avons vous attendre 65 ans pour gagner 5 000 roupies tous les mois et de moi, là, ce matin. Amen. Le Seigneur dit, « Ok, moi, tiens-toi dans la dette, moi, tiens-toi dans l'abondance. » N'est-ce pas Pas extraordinaire. Nous retournons dans le verset premier, c'est qu'ils ont dit, « Nous causons là, comment la crainte de Dieu, c'est un dépôt pour un dividende continu. » Amen. « Une femme, dont les femmes des fils des prophètes, cria et élysée et en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur, régner l'éternel. C'est extraordinaire, mon émanuel, le dans la Bible, ou highlight Quelques points, trois points, mais extrêmement importants, ça vous bénisse énormément. La crainte de Dieu, lui parle pour nous, même après nous la mort. Vous êtes bien là, hein? À cause, c'était un homme juste. Un homme, c'est pour cette raison, tout le temps nous dit, c'est qui ou faire. Ce matin, on vais mettre ça sur Facebook ou hier. Nous actions pour un impact positif ou négatif pour nos familles. Amen. D'ailleurs, constamment dans le, dans le proverbe, sommes le, le Seigneur parle de qui, bande, bénédiction, juste beaucoup font une tonne, bande, generation curse. On entend, ça ne veut pas avoir une bande, malédiction, il y a grands-parents qui descendent là, mais la bénédiction également. Amen. Dieu dit à lui génération de Alors, cet homme est mort, mais il tient dans la crainte de Dieu. Regarde son, son, épouse qui cause avec le serviteur rappelle la crainte de Dieu de mon mari. Amen. Alors, je voudrais ça, la crainte de Dieu lui cause pour nous, même après nous, la mort. Nous caractères. Comment nous servons Dieu? Il peut être un blessing ou un curse. Il peut être une bénédiction ou une malédiction à nos familles. Trois semaines de cela, nous ne cause aussi concernant le roi Ézéchias. Comment le prophète Esaïe vient pour prophétiser sur la vie, il dit à Fisto, tu mourras et tu ne vivras plus. Encore rappel ça. Deux rois, chapitre vingt. Verset premier, verset deux, verset trois. Ézéchias, la Bible dit à nous, pendant que élisée finalement n'arrive qu'au pied, manque dehors, dans la cour, là, dans le parking, Ézéchias fait une tourne-face contre-mur, il est pas de prier, il est pas de Seigneur, ai pitié de moi Je te chasse, me paralyse l'esprit, l'amour, ou fais la guerre spirituelle, whatever. » Il dit, « Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi l'Éternel que j'ai marché devant ta face, nous tous pas marché devant la face de Dieu, avec fidélité. » Intégrité de cœur, je fais ce qui est bien à tes yeux, et Ézéchias répondit d'abondante l'homme, verset 4 nous retourne dedans, right? Et Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes. Bien sûr, nous à, à man verset après, Dieu dit à Esaïe, retourne vers Ézéchias, j'ai dit à lui, te la prière finit exaucée, et tu pas pour moi, pas juste ça, pas juste 15 ans dans ta vie. Mais, qu'est-ce qu'il a prié? Il n'est pas une prière, lui. Eh bien, déjà guéri, délivré. Bon, ça veut dire nous avons besoin. Pose les mains. Ça se mange l'esprit trucs au besoin. Faire la délivrance, etc. Mais nous caractères. Mon ça papa, pas. Nous, nous, nous des caractères divins. Nous avons godly caractères. En lui-même, il y a la prière devant Dieu. Quand nous regardons, qu'on est. Tout à l'heure, on va regarder ça. Nous retournons maintenant dans 1 Roi, le chapitre 11, verset 9 à 11. Cette femme veuve. Il dit à mon mari, tient à la crainte de l'éternel. Vous veut dire la crainte de Dieu qui vous peut aujourd'hui. Il prend une blessing pour vous. Il une bénédiction pour famille autour de vous et aux générations. Amen. Un roi chapitre 11, verset 9 à 13. C'est un joli passage. Un passage en même temps qui fait nous père dans la parole de Dieu. Mais, si vous a quelques versets auparavant, il dit, il commence par la même, Il Salomon aimait beaucoup des femmes. Peut-être ça peut semble l'idée de quelques-uns. Allez, nous retournons dans un roi chapitre, 1, verset 1, après nous retournons neuf. Le roi, Salomon, aimait beaucoup des femmes étrangères. Mais catastrophe. Vous êtes au courant qu'il arrive Nous un dans nous. Alors, c'est si y en personne, tu peux penser pour, une euh, en a multiple. Alors, Moboudemonzo, bien sûr, comme ses œufs, vous sentez trajectoire. Verset 9, maintenant, nous retournons dans le verset 9. C'est très joli quand on lit ça. Alors, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Qui fait faire référence à sa deuxième portion-là-là là. Parce que l'inoublié, euh, le Bouga, l'inoublié ça les rois là, sa rencontre faire avec le Seigneur, l'inoublié comment bon Dieu l'élève, l'inoublié ça, qu'est-ce qu nous peut causer là Bon Dieu rencontre lui littéralement face à face, et sa vision qu'il a gagnée là concernant la sagesse, etc., etc. Mais l'inoublié cela, nous d'autres mots, l'inoublié est gras maintenant plus dans la crainte de Dieu. Le péché finira dans son équerre. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'éternel. Verset 11. L'éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus-toi et je le donnerai à ton serviteur. Nous posons un petit moment là, nous posons un petit moment. Nous trouvons Ézéchias sur la prière exaucée basé -lo, fidélité. Amen, Me marche devant ta face avec fidélité. Intégrité de cœur, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, boum, miracle arrivé. il y a 15 ans dans ce la vie qui a ajouté. Nous nous regardons, cette femme veuve, comment il donne grand besoin, là, même, Ban ban ban. Euh, créditeur, est venu pour pas prendre ses enfants en esclave, qui lui dit, bon, mari, il s'est dans la crainte de l'éternel. Mais ici, dans sa cas, là, nous trouvons la Bible, dis-nous, Dieu, maintenant, l'est irrité contre Salomon, parce qu'il perdit la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel cause pour nous devant bon Dieu. C'est un déposite qui amène un dividendes dans nous, la, 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 la vie, pour amener une bénédiction. Bien sûr, nous courant, nous car cause Beaucoup, beaucoup de choses sur la crainte de l'Éternel. Proverbe même commence au commencement. Il y a la sagesse, la, sagesse et le, le, la crainte de l'Éternel sur le commencement de la sagesse. Tant de choses à dire. Amen. Mais je vais te y mettre l'emphase là. Comment l'important, c'est que nous, 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 là, oubliez ce qui parle là. Nous, action. nous la mort avec Dieu. Il y a une bénédiction pour une personne autour de nous et une génération qui est venue. Amen. Mais si nous marchons contrairement à la parole de Dieu, ce qui n'arrive pas. Regarde qu'à puisque tu as agi de la sorte. Non, verset 11 toujours. Et tu n'as pas observé mon alliance, mes lois que je t'avais prescrites. je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Pas juste l'île, là, qui paye les pots cassés. Nourrit ça, j'avais moi, moi, la vie. Papa, madame, du monde il avec l'eau, Et hey, moi, la vie, ça S'il vous plaît, pas, pas mettre l'eau dans moi. Mon j'ai 18 ans, s'il vous plaît pas. Voilà la corde d'identité. Est-ce qu'il m'a besoin de téléphone 999 pour expliquer tout ça? Mais nous, pas enfants de Dieu, c'est la même là. nous y un principe qui, bon, Dieu appelle, nous, prélève, nous, ben, enfants, etc., etc., n'est-ce pas? Nous retournons dans ça, ce sujet là. Alors, regarde bien là. Pas ici, se et ça là. Pas ici, si se Mais sous la vie. Sous désobéissance. Sous manque de la crainte de Dieu. Apporte le jugement. On va dire comme ça. A lack of the fear of God open the door for Satan to walk in. Et manque de la crainte de Dieu lui ouvert la porte pour Satan rentre à l'intérieur. Verset 12. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, ton père. Wow! David est mort. David est mort. Nous nous disons, David est mort. Salomon grand, là. Hein? c'est vers la fin un petit peu de cela vie. Bon Dieu, mais comment se prophétise ça dans cela vie Mais regarde à cause David. So, comment les ça, avec le ciel Nous connaissons David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dans l'acte des apôtres, il y a ça rapport là avec Dieu. C'est un homme qui accomplira toutes mes volontés. Même les mots. Après ça, ce qu'il y fait faire de bien, il style cause pour lui devant la face de Dieu. ils sont au courant de ça, tout au long de l'Ancien Testament, même nouveau. Dieu l'haït l'idolâtrie. C'est un très grand péché devant Dieu. Et jamais, bon Dieu, ne fait cadeau dans l'Ancien Testament. Tout le temps, il y a jugement dedans. Si, imaginez un petit coup, qui David, il fait, tiens, à la crainte de Dieu, tiens, qui, qui mange dans l'obéissance, content, bon Dieu. Amen. À tel point, qui même Salomon peut faner tout le cube, tout le square, ça, le Seigneur cause à dire Salomon, ok, tu ne prêt, justement, peut de venir, tu as tes affaires, <laughs> mais à cause de ton papa, ce qu'il est fait qu de faire, il est constamment il est encore devant moi. Waouh! Est-ce qu'ils sont capables de compenser à nos responsabilités là? Mais c'est ça la vie là, c'est la vie là, c'est ne pas peu de temps, mais la vie ça pas où, la vie, ça. <laughs> Amen. Parce qu'il est capable de répercussion, de conséquence, d'une personne autour de nous. Et mon corps, tout qui qu a, est là, si au on compte en famille, qui nous les faire Nous les gagne. Malédiction, ou ça, a bénédiction, nous. nous les autres, être bénis, n'est-ce pas? Nous les la grâce, nous les dieux agir de Alors, si nous vivons dans la grâce, dans la craie de l'éternel, bien sûr, pour nous, nous pas capable de faire ça, nous besoin la grâce de Dieu. Vous avec moi là, Et moi, vous dire ça, moi, je vais finir d'arriver hein, en passant. Très simple. C'est un combat, c'est un challenge, mais ça a besoin d'être nous, objectifs. Pour dire, oui, Seigneur, tous les jours, nous faisons nos efforts pour la grâce. Nous arrivons, nous poursuivons, dans le coup, mais Seigneur, dire à toi mais David, tu es chuté, lui Mais ce qui est intéressant avec la, euh, la vie du roi David, il ne une pas. Il ne continue à faire sa il ne fait pas ça, il ne a pas ça, il ne a pas là. Il ne pas, il dit, Seigneur, je ne pas n'est-ce pas vrai, pas vrai? C'est ça la beauté avec le Seigneur. Nous bon Dieu, mon Dieu de grâce qui est extraordinaire. Le verset 12 seulement je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père. Nous avons deux, deux situations là. Un homme qui appelle David fait du bien, et dans la crainte de Dieu, obéit à compte en bon Dieu, sa cause pour lui après sur la mort. Une personne qui est vivant, qui désobéit, manque la crainte, elle perdit la crainte de Dieu, attire le jugement. La crainte de Dieu y amène la bénédiction. Elle manque de la crainte de Dieu, y amène le jugement de Dieu. Et le jugement, ça t'a assez parce que c'est la porte qui nous ouvre. Le péché c'est quoi Le péché, il ouvre la porte pour le diable rentrer, n'est-ce pas Alors c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Frère, sœur, maman, papa, qui est très très content de ces enfants là là. Écoute ça bien là. Puis ça, excuse-moi. Nous causons différents langages ici. Right? Nous causons anglais, français, créole, hindi, tout. Je ne sais pas, je ne pas trop. Connu. Ça, bachala. Bachala, tu aimes ça? Et moi, je ne suis qui... pas hindi speaking. Ça, bachala. Mais qu'est-ce qui... Il pas un lui. d'accord avec moi? Il n'est pas responsable de certaine façon, là, dans lui. Fils-là, ce qu'il pas. Je ne demande pas numéro un pour vivre. Moi, je peux venir dans la terre. Moi, je viens là. Et mais, mais, regarde qui une fin à cause de où, qui peut besoin passer. Mais, je, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Innocent, mon absence. Mes enfants, innocents. Amen. On va c'est ça. Mais, regarde l'action de Salomon. Amen. Jugement, même l'homme des enfants. Verset 13, verset 13, verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. Wow. Encore une fois mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Bon action, la crainte de l'éternel y amène la bénédiction et cause pour nous devant le Seigneur. Un manque de la crainte de l'éternel, c'est la porte qui est ouverte pour le diable y rentrer et y amène malheureusement la destruction. Amen. La crainte de Dieu lui pour faire nous faire ce qu'il nous bise faire et ce que bon Dieu demande nous pour faire. Amen. Avec des apôtres 5 nous regarder suis capable de un homme qui s'appelle Ananias Saphira, nous, au courant de ça, la Bible dit, je te vais une portion de la terre, et, comment, je, je ne prends l'engagement. Bon, Dieu n'a pas besoin de cela. Nous comprenons comment bon Dieu travaille. Mais je ne prends l'engagement. On dit, OK, moi, pour faire ça, moi, pour donner ça dans, 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 la, dans, la, dans, le royaume de Dieu, whatever. Et après, la Bible dit, je ne fais une cause mentale ou la somme qui vraiment je n'ai apporté devant Pierre. Et je ne fais une péché, manque la crainte de Dieu, Ouvrez la porte, et la Bible dit, nous, mari et femme, tous les défis, tombés, Ananias et Saphira. N'est-ce pas? Alors, la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, il n'est pas besoin de faux. Personne pas besoin de faux. nous pour faire ce qu'il nous bon, Dieu, nous fait. Amen. Bon, je quand on a la crainte de Dieu, il vient plaisir, ça. Il vient a affaire normale pour obéir à le Seigneur. Quand on a la crainte de Dieu, il fait une affaire normale. Il faut partir dans nous la vie, nous les plaire à Dieu, nous les vivre pour lui, nous les, nous les juste, avec lui, et accomplir sa volonté. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 7, le verset 4 à 5, et nous trouvons aussi, et euh, le centenier romain envoie un ancien et demande à Jésus. Right? Nous regardons sa Right? Et il arrivait auprès de Jésus et lui, et lui adressait d'instants supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela. Le centenier romain envoie un ancien pour demande à Jésus pour guérir le, euh, le, serviteur du centenier romain. Regarde, regarde cause pour lui, là. Constamment, on peut regarder ça. Quand il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il n'est pas un juif, il est un romain. Il construit une église, pour une juif, synagogue. Moi, je crois fait un très grand bénédiction. Moi, une partage, là, Je suis au courant de nos projets pour construire. À nous demander la gloire pour ça. Et c'est une grande bénédiction quand nous aidons à faire ce qu'il nous a pour faire pour construire la maison de Dieu. Il est avec moi, là. Et il se continue. Un grand miracle arrivé. Et le Seigneur dit à mon père, il trouve un grand, un la foi aussi parmi en Israël. Corneille, Acte des apôtres. 10, 1 à 4, deux versets, nous prions. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était. Allez. Nous, lisons ensemble avec moi ce matin. Allez. 1, 2, 4. Et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, connais. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, tes au monde sont montés devant moi, et il s'en est souvenu. Nous retournons dans le verset premier, verset 2. En conneille, sa pagne là. Ils ont au courant que le ministère avec Ben a commencé. Regarde bien là. Les pieux, c'est une dévotion et cela crée de Dieu. Amen. Fin faire, le ciel ouvert, 11 descendent, donne-lui une vision, cause avec lui, pour envoyer Pierre, bien sûr, vous êtes au courant un petit peu de passage là, et pour dire, Pierre, venez, donnez-nous la parole, et bien sûr, tous toutes les familles, vous êtes sauvés. Regarde la crainte de Dieu. Pourtant, les patriens chrétiens, en guillemets, que nous pouvons dire aujourd'hui, les patriens juifs, right? les gens qui qu'en, un parien. Mais quand même, ça, il tient à la crainte de Dieu. dans le monde, parfois, nous nous tapons un petit peu, nous disons, ouais, chrétien, chrétien. Mais parfois, on a un du monde dans le monde, une valeur que je t'ai extra. Bien sûr, on a beaucoup au milieu de nous, une bande valeur extraordinaire. Mais parfois, on a un qui pas de l'église. Mais la sincérité, le sérieux, et ça, la crainte de Dieu là, mais elle est extra, extraordinaire. Amen? Alors, la crainte de Dieu, c'est pas une affaire pour nous, l'église. C'est quelque chose que Dieu demande nous. Et la crainte de Dieu, lui ouvrir le ciel. La crainte de Dieu, un ange, il fait une release, ban un ange, ben, ange, fait une descente, il fait une ministère avec lui, bien sûr. La crainte de Dieu, il amène le salut. Parce que c'est pour lui, là. Donc, on nous bégue de sa relation avec la crainte de Dieu. De nous, la crainte de Dieu. Et qui résultat? Qui, qui, euh, son côté positif, là, nous famille. Nous nous regardons, David. Nous nous un manque de la crainte de Dieu de Salomon, il amène un cœur, il amène une malédiction, il amène jugement de Dieu. Nous ne regardons la crainte de Dieu de sa femme veuve là, comment sa cause poulie devant Dieu, et il y a une parole prophétique depuis une, 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 une personne qui est en dette, vivant in a business woman, dans l'abondance. Nous guettons la crainte de Dieu au les ciels, release 11, des sannes, il y a le salut de toute sa famille. Pas si c'est sauvé là. nous trouve ça là? Nous, la vie, nous famille, donne ça bien, mot terminé. Nous, famille, le bien-être, lui aussi de panne l'eau c'est qu'il nous fait. Excusez avec moi. Bien sûr, pendant le moment, j'ai besoin de prendre des responsabilité aussi. Mais quand on fait de bien, Bon Dieu pour défendre. On trouve les tout homme de Dieu, je se debout, on persévère moi avec le Seigneur. Vous qui Bon Dieu bon, bon, en fait de bonnes enfants, il y a bon, en a qui combats parfois, définitivement, man bon, l'attaque, man bon, l'épreuve, etc. Mais quelque part, Bon Dieu pas oublié ça. Bon Dieu pas oublié ça. tu quelqu'un de Bon Dieu pas oublié. Nous capables d'un attaque, nous capables d'une épreuve, mais c'est qu'une faire pour bon Dieu, pour cause pour vous, pour débout pour vous, pour lever, pour défendre, vous, et la gloire de Dieu pour manifester. Laisse-nous mettre nous debout ce matin dans la présence de Dieu.